ton cas, c'est Africa numéro 1 et demi. J'ai malade depuis le thé où j'ai vécu la vie ici. Je souffre de tamorinisme aigu. C'est une maladie de l'humus tropical qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de miango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à l'eau, il paraît de l'inconscient. On veut balayer pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est mal. Tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le farotage. Quoi? Ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi. Tu es seulement toi. Ouais, tu en es donc de la bouche que fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun. Mais il est en chantier, beaucoup de meubles. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits bouboutous. Dans leur envie de pouvoir et ils te traitent comme un blougougou. Nerveux dès le matin, périphère. Ne me parle pas de balayer mon pote, faut qu'on n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes mounards. Tu ne penses même pas à Paul Biya, tu connais Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'enchat, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Comme là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Aucune crise sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Fabia. Les midi-fest te stresse, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Mohamed. Mohamed.
Mohamed. Ce colloque, justement ? Eh bien, parce que d'abord, je suis un agité, mais en dehors de cette considération, il y a le fait que je suis extraordinairement préoccupé par l'explosion démographique de l'Afrique, avec toute la sympathie que je porte aux Africains. Je crains que ça se traduise par un débordement humain, c'est-à-dire des courants migratoires écrasants et qui vont, je serai brutal, tuer la civilisation européenne.
Parce que avoir 2 ou 3% d'Africains en Europe, c'est parfait. En avoir 30%, c'est la mort sans phrase. Alors je reviens un peu en arrière, j'ai écouté des intervenants avec sympathie, notamment Gourevitch, qui avait l'air de dire bon, mais finalement le danger lointain, il est plus mesuré. C'est pas vrai, le danger il est là. Parce qu'en démographie, on peut faire des prévisions à peu près sûres à 30 ans. Mais nous sommes en 2015. 30 plus 2015, c'est 2045. Donc c'est demain en réalité. Le problème il n'est pas dans 3000 ans, il est dans 3-4 décennies. Et c'est la raison pour laquelle il faut réagir maintenant. D'ailleurs, ce que je propose, ce n'est pas de larguer les bombes atomiques sur l'Afrique. Ce que je propose, c'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif. C'est un plan Marshall massif pour le développement de l'Afrique. Un plan conditionnel, mais quand même qui soit contrôlé, comme d'ailleurs le fait le Fonds monétaire international. Et deuxièmement, un programme massif visant à la libération de la femme africaine. Visant à la libération de la femme africaine. Visant à la libération de la femme africaine. La condition féminine en Afrique, qu'on le veuille ou non, est abominable. Elle l'est encore abominable. Or, c'est la femme africaine qui détient la clé de l'avenir du continent. Est-ce que c'est pas donner une réponse occidentale à un problème africain et justement rentrer dans les mêmes erreurs qu'il y a pu avoir pendant la colonisation ? Vous avez tout à fait raison, c'est une réponse occidentale parce qu'elle n'a pas d'autre. C'est un problème africain parce que c'est pas le nôtre. Nous, c'est l'inverse. Nos femmes n'ont pas assez d'enfants. Et on leur reproche suffisamment, avec suffisamment de force. Et donc, par conséquent, puisque les Africains n'ont pas été capables d'inventer la réponse eux-mêmes, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et c'est nous. Le complot de la femme contre la femme n'en consiste pas. C'est à détruire l'image là. Bonsoir à tout le monde, bonjour tout le monde et bon week-end, bon début de semaine. Vous voyez bien que quand nous parlons de complot contre les Africains, il y a certains Africains qui viennent nous tenir des langages tels que la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit. Ce sont ses mots. Il faut un plan Marshall massif en Afrique. D'ailleurs, le Fonds monétaire les contrôle bien, mais comme le Fonds monétaire ne contrôle pas les naissances, et que les gouvernements africains ne veulent pas faire, il n'y a personne d'autre pour le faire. Donc c'est eux qui doivent prendre le taureau par les cornes. S'il vous plaît, je vous ai mis dans les titres là. Que servent aux Africains toutes les organisations régionales, sous-régionales? Donc je vais vous lister. S'il vous plaît, soyez attentifs. Vous savez, la libération, c'est comprendre quelque chose avant de chercher les voies et moyens pour te libérer. Mais tant que tu ne comprends pas comment ça marche, comment tu vas te libérer? Tu ne peux pas te libérer. Tu seras toujours attaché correctement et bien. Tu vas toujours te dire, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon. Banque centrale africaine. Banque centrale africaine.
Association des banques centrales africaines. Autorité du bassin du Niger, en abrégé ABN. Agence de coopération culturelle et technique, en abrégé ACCT. Annuaire de la Commission des droits internationaux, en abrégé ACDI, des Nations Unies. Afrique, Caraïbes, Pacifique, ce qu'on a appelé ACP. Autorité de développement intégré du Liptako, Gouma, en abrégé ADCP, ADILSG, Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, ADRI, ADRAO, Afrique équatoriale française, AEF, Année française des droits internationaux, Année française de droits internationaux, en abrégé AFDI, American Journal of International Law, en abrégé AJIL, Afrique orientale française, en abrégé AOF, Association des producteurs de pétrole africain, APPA, Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique, en abrégé ASECNA, en Afrique et Madagascar, annuaire du tiers monde, Banque africaine de développement, Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, la Banque de développement des États, la Banque de développement de l'Afrique orientale, Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Banque de développement des États des Grands Lacs, Banque des États de l'Afrique centrale, Banque internationale pour la reconstruction et le développement, Banque ouest africaine de développement, Conseil africain de la Rachide, Communauté de l'Afrique orientale, Commission du bassin du lac Tchad, Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest, Conseil de l'Entente, Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, Commission économique de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique du bétail et de la viande, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Communauté économique européenne, Communauté économique des États d'Afrique centrale, Communauté économique des pays des Grands Lacs, Communauté financière africaine, France CFA, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Centre national de la recherche scientifique, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Commission de l'océan Indien, Comité permanent consultatif du Maghreb, Centre de recherche et d'études sur les sociétés méditerranéennes, Comité régional des pêches du Golfe de Guinée, Diplôme d'études supérieures spécialisées, Conseil économique et social des Nations Unies, Fonds africain de développement, Food and Agriculture, Organisation Nation, Fonds de développement du bassin du Niger,
fonds d'entraide et de garantie des emprunts, fonds monétaire international, autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le développement en Afrique de l'Est, Institut des hautes études internationales, Paris, Institut universitaire des hautes études internationales, Genève, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Organisation africaine des pays producteurs et exportateurs du bois, Organisation africaine et malgache du café, Organisation pour l'aménagement et le développement du bassin de la rivière, de la rivière Kagera, Organisation commune africaine et mauricienne, Organisation de coopération et de développement économique, Organisation interafricaine du café, Organisation internationale du café, Organisation de mise en valeur du fleuve Gambie, Organisation sur la mise en valeur du fleuve Sénégal, Organisation des Nations Unies, Office de publication universitaire, Organisation de l'Unité africaine, Agence panafricaine d'informatique, Programme des Nations Unies pour le développement, Presse universitaire de France, recueil des cours de l'Académie de droit international, République fédérale d'Allemagne, Revue française d'études politiques africaines, Le mois en Afrique, Revue africaine des sciences politiques, Revue générale des droits international public, Revue juridique politique indépendance et coopération, Revue juridique et politique d'outre-mer, Revue du tiers monde, South African Development coordination conférence, Société française pour le droit international, Union douanière économique des États d'Afrique centrale, Union des États de l'Afrique centrale, Union du fleuve Mano, Union monétaire ouest-africaine, zone d'échange préférentielle pour l'Afrique orientale et australe. Je vais vous poser une question. Tout ce que je viens de lire là, à la tête de chaque institution, vous avez un noir. La question que vous devez vous poser, qu'est-ce que ce noir à la tête de cette organisation et tout le staff apporte dans votre vie au quotidien? S'il vous plaît, répondez-moi. Je veux que chacun de vous, tout ce que je viens de lire là, ça apporte quoi dans le plat de la ménagère au quotidien? Parce que moi, je veux vous dire le but de ces organisations. Mais je veux d'abord que vous répondiez. Ça apporte quoi à la vie des citoyens africains? Je vais vous dire pourquoi. Retenez que lorsqu'on parle de colonisation, lorsqu'on parle de maintien du peuple africain dans le sous-développement via son élite, parce que ces organisations que je viens de lire là, dans tous les pays africains que vous avez vu là, c'est ça qu'on appelle l'élite. Et cette élite, exclusivement vit sur le dos des citoyens qui eux payent les impôts pour engraisser ces organisations. Donc leur but, c'est quoi? Dans la vie au quotidien. Vous avez entendu cette organisation se prononcer sur les sanctions au Mali? Au contraire, ces organisations asphyxie un peuple africain parce que ce peuple africain dit l'affaire là je ne veux plus.
Je refuse. Parce que les hommes politiques fabriqués par ce système que tout le monde connaît sont à nu devant le petit peuple malien. Le petit peuple malien n'avait plus qu'un seul choix. Soit soutenir les militaires ou bien avoir un autre imposteur qui viendra leur parler des sucreries, qui viendra leur dire la démocratie, les droits de l'homme, bonne gouvernance. Or, sachant bien que le système est plombé par l'eau, tous les discours qu'ils vous tiennent, ils ne vont jamais les respecter. Je me rappelle du fameux discours du président français François Hollande. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il gouverne. Il a commencé à dire, mon ennemi, nous avons un ennemi commun. Il gouverne, il règne, mais il n'est pas élu. C'est le monde de la finance. J'irai en bataille contre eux. Quand il a été élu président, la première chose à faire, c'était donner au monde de la finance tous les derniers pouvoirs qui les restaient. Sarkozy avait donné une partie, Hollande est venu, il a transféré le reste de pouvoir qui manquait. C'est la même chose qui se passe en Afrique. Voyez-vous, un continent qui a environ 100 organisations, voire 200 organisations. Ces organisations sont nourries au quotidien par le travail et le sang des citoyens des différents pays. Parce qu'ils ne produisent rien. Rien du tout. En passant, mes condoléances aux victimes de la boîte de nuit en plein quartier Bastos à Yaoundé. Oui, les gens sont décédés par asphyxie. Maintenant, il faut se poser des questions par rapport à ce drame. Et la première question qui me vient à l'esprit quand j'ai appris ça, est-ce que cette boîte de nuit était réglementaire? Cette boîte de nuit avait respecté les normes. Mais comme nous tous nous connaissons qu'au Cameroun, il y a un mot qu'on appelle une phrase légendaire, tolérance administrative. Moi, je dis, ces gens sont décédés par la loi au Cameroun qu'on appelle tolérance administrative. Lorsqu'on décide d'ouvrir une boîte de nuit, il faut définir les critères. Qu'est-ce qu'on attend d'une boîte de nuit? Quels sont les risques qu'on encourt quand on part dans une boîte de nuit? Le premier risque, c'est le feu. Le feu peut être d'origine quoi? Électricité? Mégot de cigarette? Quels sont les éléments adéquats qui peuvent concourir à éteindre ce feu rapidement? Quand on a un feu d'origine électrique, on ne va pas prendre l'extincteur à eau pour éteindre l'incendie, non? Utiliser autre chose. Est-ce que ces boîtes de nuit avaient les ventilateurs d'aspiration? Est-ce que cette boîte de nuit avait les issues de secours? Vous voyez, ce sont des petites choses. Ça, c'est un cahier de charges qu'on doit demander à tout propriétaire de boîte de nuit. C'est rien du tout. Je dis bien, c'est rien du tout. Savoir quels sont les risques qu'on encourt dans une boîte de nuit. C'est ça qu'il est question. On dresse ça. Quand tu viens faire la demande d'ouverture d'une boîte de nuit, on te dit, monsieur,
Voilà ce qu'on te demande. On te donne le papier, tu pars, tu fais ta boîte de nuit. Après, l'inspecteur vient vérifier. Si c'est aussi, c'est OK, on te signe l'autorisation. Mais non, tu ouvres une boîte de nuit. Allez-y, ouvrez une boîte de nuit. Dans quel quartier? En plein Bastos, quartier administratif, où se trouvent les grands cadres de la République. C'est là-bas où se trouve une boîte de nuit dont la sécurité prête à confusion. Les gens aujourd'hui se retrouvent en délai, les familles se retrouvent en délai pour une personne qui est partie décompresser la pression du travail de toute la semaine, qui part décompresser en boîte de nuit pour essayer de changer d'idée et ramasse la mort. Parce qu'un propriétaire véreux, non du propriétaire comme d'habitude, ça doit être un Libanais ou un Grec. C'est comme ça. Les boîtes de nuit n'ont rien à faire à Bastos. On comprend bien l'élite. L'élite qui adore Sanjaya à Yaoundé, ils ont peur de quitter le quartier standing, aller se retrouver à Miniferme ou aller se retrouver à Avenue Germain en train de jamboula. Ils préfèrent avoir une boîte de nuit dans leur quartier UP. Ils mangent là-bas, ils boivent là-bas. C'est pour ça qu'ils autorisent une boîte de nuit à Bastos. Il n'avait pas sa place là-bas. Pas de système de sécurité incendie, rien. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Si c'est mauvais, on l'exige même un forage. Le forage va permettre à ce que, mon ami, en cas de danger, les sapeurs-pompiers vont venir loguer leur tuyau là-bas. Et régler le problème. Les gens sont morts d'asphyxie, de brûlure, de quand ils sont encore couchés à l'hôpital. Je souhaite à tous ceux qui sont encore à l'hôpital bonne guérison et qu'ils essayent de tirer les leçons. Un jour, j'étais en boîte de nuit à Douala. L'ancienne boîte de nuit qu'on appelait 4e protocole. Alors, on était avec les matelots parce que quand les bateaux accostent, il y a les matelots qui veulent aller après avoir fait 6 mois en mer. Quand ils viennent, quand ils arrivent ils arrivent en Afrique, surtout au Cameroun, ils veulent aller se divertir. Donc, nous les mécaniciens, on avait une voiture à notre disposition. Donc, quand ils veulent aller en boîte, on avait une voiture double cabine. Ils pouvaient me dire, va nous déposer en boîte. Je portais dans la voiture, j'ai parti les déposer. Moi, je revenais au port. Mais le problème, j'avais marqué quelque chose au 4e protocole. Lorsqu'on a déposé les matelots là-bas, un matelot, quand il voulait déjà revenir, je suis parti les rechercher à 4h. En rentrant, un autre matelot me pose la question. En cas d'incendie, là, on va sortir par où? Je dis que c'est une bonne question. Il y a une seule entrée. L'entrée principale. Tu as vu bien que là-dedans, vous êtes 300. En cas d'incendie, tout le monde se bouscule pour aller à la porte. Il y a un blocage. Vous mourrez asphyxié. Il dit, est-ce que les autorités savent ça? Ce matelot ne voulait plus jamais entrer dans cette boîte de nuit. Le lendemain, la nuit qui suivait, on dit qu'il devait toujours aller en boîte. Nous ne sommes plus allés au 4e protocole. Il y avait une boîte de nuit là vers
ancien à Macam, j'ai oublié le nom, nous sommes allés là-bas, le gars a toujours fait la même remarque, il a arrêté d'aller en boîte. Il dit, c'est pas sécurité. Donc quand j'ai entendu que boîte de nuit brûlait à Batou, j'ai pensé à ce gars philippien. Il me disait, il ne peut plus aller en boîte parce que c'est pas sécurité. Il n'y a pas d'issue de secours. Et l'ambiance est bien, mais quand il est dans une boîte de nuit, c'est comme dans le bateau. Il ne peut pas lâcher les amarres lorsqu'ils n'ont pas vérifié leur gilet de sauvetage. S'il n'y a pas de machin, c'est exactement ça. Moi, je dis que les autorités camerounaises essayent de appliquer la loi. Il y a une loi pour ça, pour les boîtes de nuit. Vraiment, on a perdu les gens pour rien. On a perdu des colonels, les médecins, qui sont allés décompresser. Parce que le problème d'aller en boîte, c'est pas un problème. Tu as la pression du travail, la pression. Il faut aussi, tu peux aller décompresser, c'est normal. Et tu peux pas aller pour décompresser, tu trouves la mort. On peut pas accepter ça. C'est inacceptable. Quand vous voyez les gens qui sont morts, parmi les gens qui sont morts, les autorités, ça fait mal. Bon, mes amis, il y a une question que j'ai posée là tout à l'heure dans le direct. Et je veux que vous répondiez. Après moi, je vais vous dire ce qui se cache derrière. Vous savez, on nous a vendu un système. On nous a vendu un système et c'est ce système qui nous maintient là où nous sommes. Mais personne ne questionne même parfois même ces choses. On nous vend un système, et le système est là. On le voit. C'est quoi l'incivisme? L'incivisme, c'est quoi? Qu'est-ce qui crée l'incivisme? L'incivisme, c'est une chose, mais qu'est-ce qui crée l'incivisme dans une république? La démocratie? Les droits de l'homme? L'irresponsabilité? La barbarie? Ça, c'est la question que je vais répondre. Et qu'est-ce qui rend un individu irresponsable? C'est la société? C'est l'environnement? C'est le cadre familial? Vous allez vous rendre compte qu'on nous a vendu un système. On nous a vendu quelque chose. Vous avez vu que quelqu'un vous a dit, il est, malgré la sympathie qu'il a pour les Africains, pour lui, il est sympathique envers les Africains. C'est-à-dire, le fait qu'il soit sympathique envers les Africains lui permet de les génocider. Je veux que vous compreniez le sens de la sympathie que des gens peuvent avoir. Il te dit, vraiment, je suis sympathique envers toi. Mais je veux plus que tu existes. Je veux qu'on se comprenne bien. Il dit qu'il est sympathique envers les Africains. Vous comprenez? Donc, le mot sympathie, ça signifie quoi donc?
Tu es sympathique envers les Africains. Je suis sympathique envers vous. Mais vous êtes trop nombreux. Il faut vous diminuer. 2 à 3% d'Africains en Europe, c'est bon. 30%, c'est pas bon. Donc, ça signifie quoi? Que c'est pas le mot que quelqu'un sort de sa bouche que tu dois comprendre. Observe les actes qu'il pose. C'est sur les actes qu'il pose que tu le juges. On a vendu aux Africains quelque chose. Au lieu que les Africains jugent les actes que les gens qui leur ont vendu le système posent. Les Africains sont restés dans les concepts. Les gens sont venus trouver les Africains très accueillants. Quelqu'un s'est assis là-bas, si c'est Pissing, chez eux, décidé, la bulle papale, l'homme africain n'est pas assez ancré dans l'histoire, il faut l'esclavagiser. Il faut le voir. C'est un bien meuble. À cause de cette bulle papale, des gens ont massacré des millions d'Africains. Mais au lieu que les Africains jugent ces gens, si c'est ces actes, ces Africains jugent ces gens sur les papiers, les documents qu'ils ont écrits. Amfoumfo Marie Agnès Ambe. Et j'ai posé la question à un grand frère. Il est pasteur. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner la raison pour laquelle on a écrit l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament. Écoutez-moi. On est en train d'écrire au Vatican le Nouveau Testament du Nouveau Testament. Je répète, les Africains qui sont naïfs là, ils croient à tout ce qu'on leur vend. On est en train d'écrire au Vatican le Nouveau Testament du Nouveau Testament. L'Ancien Testament étant écrit avec des traditions africaines, on a trouvé que non, il faut changer. On a écrit le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a dû lire Jean, Matthieu, vous les connaissez tous. À l'heure actuelle, je vous parle. Ils sont en train d'écrire le Nouveau Testament du Nouveau Testament. Je voudrais que vous sachiez ce que je vous dis là. Vous savez que quand moi, je donne une information là, quand je commence à dire cela que on va diviser les pays africains, Ndama a dit que tu es un sorcier. Tu as vu ça où? Tu as dit que. C'est pas que c'est la naïveté. Vous jugez les gens sur les écrits. Moi, je juge les gens sur les actes qu'ils posent. Les actes qu'ils posent démontrent qu'ils sont en train de vouloir diviser. Mais toi. T'as dit, toi, tu es là, tu crois aux sucreries écrites ici. Au lieu de juger les actes, ce ne sont les actes. Il me dit que tu te bases quoi? Je dis que, frère, je me base sur les actes qu'il pose pour te dire que des 20-30 années à venir, ils vont rebarcaliser l'Afrique, diviser en plusieurs pays. On est en plein dedans. Jouy m'appelle, tu avais raison, il dit, est-ce que vous croyez souvent? Vous continuez à croire au cycle de démocratie, droits de l'homme, mauvaise gouvernance. S'il y a mauvaise gouvernance en Afrique,
Ça veut dire que les gens qui nous ont vendu le système nous ont vendu quelque chose qui n'est pas bon. Mon frère Levan Cliff, on est en train d'écrire au Vatican le Nouveau Testament du Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament du Nouveau Testament, c'est là qu'on va dire à vos enfants, Ntoni Mot, Aïke, et Anna, Débarou. C'est là qu'on est en train d'écrire, mettre toutes les bêtises de M. Macron. Là, on est en train de nous donner la définition de ce qu'on appelle la famille. Là, on est en train d'écrire. Et comme on a donc bâti un système qui nous a mis au piège, le système de la dette, oh, Catherine Coustou, tu es en retard. Tu n'entends pas que les Wahhabites, les chiites, les sunnites, tu n'entends pas ça. Je vais t'expliquer. Ça, c'est l'islam. Écoutez-moi. Dans l'islam, il y en a deux. Il faut que je vous explique ça. Aucun musulman, un musulman religieux ne peut pas te dire ce que tu dis là. Moi, je suis né d'une famille musulmane. Mon père est musulman, ma mère est musulmane. Mais mon père, c'est sa doctrine que moi j'applique. Tu me disais toujours, fais attention à la religion. Quand quelqu'un veut te contrôler pour te dominer, il va utiliser la religion. Donc, à chaque fois que tu as en face de toi un religieux, écoute bien ce qu'il te dit et avoir un discernement de ce qu'il te dit et son intérêt. Dès que tu sépares son intérêt et ce qu'il te dit, accroche-toi sur son intérêt. Parce que c'est l'intérêt là qu'il veut, il te distrait avec l'autre. Moi, je suis né hier. J'ai eu la chance d'avoir mon père qui a été un intellectuel qui se connaissait ces choses. Je vous explique donc le Coran. Le Coran à l'origine, je continue de vous dire, le Coran, c'est l'Ancien Testament. Par rapport à cette base. Toutes les religions, ce que vous appelez la religion, toutes les religions ont puisé dans les us et coutumes africaines. Toutes les religions ont puisé dans les us et coutumes africaines. Ça, c'est la base d'abord. Maintenant, chemin faisant, donc, l'islam, moi, je ne rêve pas. Je vous le dis tous les jours, moi, je ne rêve pas. Moi, je suis quelqu'un, je regarde comme ça, je comprends. Pour le comprendre, cherche les intérêts. Quel intérêt casse ça? Tu trouves l'intérêt, tu vas comprendre. Lorsque l'islam naît en Arabie, vous devez poser la question et répondre. Pourquoi on a interdit l'image du prophète? C'est une question que vous devez vous poser. Vous devez vous poser cette question. Oui, c'est bien beau. Qu'on nous dise que oui, l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien. Mais on devrait quand même aussi être content de dire que voilà, c'est l'image du prophète, l'homme par qui Dieu a envoyé ses écrits. Non. Donc s'il n'y a pas son image, point d'interrogation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as compris, Mathieu? Je ne veux pas sortir ça de ma bouche. Je veux seulement que les gens écrivent, les gens lisent ce que tu as écrit. Moi, je ne veux pas prononcer ça dans ma bouche. Maintenant,
Il y a deux groupes. Il y a sa famille biologique. Écoutez ce que je vous dis là, ça, c'est l'islam. Les gens qui ne comprennent pas ces choses. J'ai souvent mon frère là au village. Quand il me parle, oui, vraiment, l'islam, je lui ai dit que quand je vais venir au pays, je vais m'installer au pays là, même, je veux faire 6 mois au pays là. Je vais tout faire pour t'envoyer en Arabie Saoudite. Quand tu pars là-bas, tu fais 6 mois, tu changes d'avis. Mais tu changes d'avis à l'intérieur de toi. Mais comme tu es déjà pris, Pierre, c'est ton gagne-pain. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui là. Alors, ils sont deux. Il y a sa famille biologique à lui. Maintenant, il y a ses disciples. Sa famille biologique refuse de le suivre. Dérange. Toi, tu es même quoi? Tu es qui? Les disciples le suivent. L'islam s'étend. S'étend. Avec l'épée. Tu t'islamises? Non. On coupe la tête. Tu t'islamises? Oui. Tu pars de ce côté. Tu t'islamises? Non. On coupe la tête. On coupe ça devant, c'est devant tout le monde. C'est comme ça que l'islam s'est répandu. Maintenant, le prophète décède. Quand il parle souvent de la Bible, les gens ne parlent pas que je pose, je dis les mêmes choses dans ce qui est de la religion islamique. Le prophète décède. Sa famille biologique se rend compte que il était devenu influent, il était devenu un influent dans toute l'Arabie. C'est là où eux se posent la question de savoir que c'est un intérêt, c'est un pouvoir. Nous ne devons pas laisser ça. Nous, on doit tout faire pour contrôler. Nous, on doit tout faire pour contrôler. Ça. La famille biologique dit c'est nous. Ils ont pris le nom, c'est nous les sunnites. Les disciples prennent le nom de chiites. C'est pour ça qu'ils n'ont pas deux visions de l'islam. Je continue. Et maintenant, écoutez-moi, hein. Je vais vous raconter des bêtises. Moi, là, quand tu parles avec moi, je prends moi, je me pose, je te regarde. Quand ils disent aux gens que moi, je suis un initié, je connais beaucoup de choses. On m'a pris comme ça, on m'a amené. Va là-bas, il va t'enseigner. Va là-bas, il va t'enseigner. Va là-bas, même si c'est pas ça. Va voir le père là, il va t'enseigner. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire sur les directs. Ce sont ces dons. Maintenant donc, la lecture et l'interprétation de l'islam a donc deux facettes. Une facette, la lecture du Coran, pure et dure, c'est ceux qui lisent le Coran sans associer les hadiths. Les hadiths, c'est quoi? Les hadiths, c'est l'explication des versets du Coran par le prophète. Il y a d'autres hadiths que les gens continuent à écrire à date. Les gens continuent à écrire. On les appelle les savants. Qu'il faut que les savants se réunissent pour expliquer ce hadith. Après, ils vont rester par derrière, ils vont modifier, ils vont écrire. Ils vont écrire autre hadith pour expliquer encore. Vous comprenez qu'il y a deux visions. Ceux qui interprètent le Coran, point, et ceux qui interprètent le Coran plus les hadiths. Vous comprenez? Je peux aussi vous parler du judaïsme. Pour comprendre le judaïsme, il faut aller lire l'Apocalypse. Ah.
Mais oui, non, Jean Oscar, moi je te dis bien, non. Cette chose-là, c'est ce que nous avons. Pour donc sortir de ce piège, et selon ce système qu'on nous a vendu, c'est un système bien conçu. On a créé le judaïsme, on a créé l'islam, on a créé le christianisme pour qu'à partir de ces trois affaires, on maintienne les peuples dans la domination et le contrôle. Moi, je suis au Québec. Le Québec a eu son indépendance en 1975, je crois bien. Parce qu'ici, c'est l'Église catholique qui faisait tout. Gouvernait, votait les lois. L'Église catholique, ici. Ils ont pris leur indépendance, ils ont séparé l'Église. Et l'État. C'est 75. Ils ont appelé ça la révolution culturelle. Ils disent qu'il faut séparer ça. C'est pour ça que tout ce qu'ils avaient en Afrique, comme les machins, les sœurs canadiennes, les collègues sont d'accord, non, tout ça a été démantelé lorsque l'Église a perdu le pouvoir ici. Il faut que je vous dise les choses. C'est pour ça que tout ce qui était en Afrique, comme Canada, francophone, qui avait les congrégations en Afrique, par-ci, par-là, les collègues sont d'accord, non, tout ça est tombé lorsqu'ils ont perdu le pouvoir ici. Il faut que je vous dise des choses. Partagez le direct. Et c'est ce système qu'on nous a vendu. C'est pour ça que je vous interpelle toujours. Jugez les gens par des actes qu'ils posent. Il y a des gens qui écrivent un livre. Ce qu'il a écrit dedans, ce n'est pas ce qu'il a pris. Il écrit un livre. Ce qu'il dit dedans, ce n'est pas ce qu'il fait. Et vous avez un très bon exemple, Jean-Bruno Taïen. Que Dieu Moussa a failli se suicider. Voilà un bel exemple. Parce que on nous a vendu un système. Regardez, moi j'adore souvent la région de l'Ouest Cameroun. Les gens ne connaissent pas l'Ouest Cameroun. C'est pour ça que les gens peuvent parler, les gens racontent les choses. Moi je connais l'Ouest Cameroun, j'adore cette région. Va à l'Ouest Cameroun, tu vas voir net la différence entre le civisme et l'incivisme. Lorsque tu rentres dans une chefferie, à l'Ouest Cameroun. À l'Ouest Cameroun, lorsqu'on dit ce jeudi-ci, aucune femme au marché, lorsqu'on dit aucune femme au champ ce jeudi-ci, aucune femme ne va au champ. Porte les mêmes populations de l'Ouest Cameroun, amène-les à Douala, à Yaoundé, ferme le marché, dis-le que ce jeudi, vous ne vendez pas. Ils vont te dire doigt de l'homme. C'est la question que tu dois te poser. Why? Comment les mêmes personnes à une position A, on lui dit le jour celui-là, il n'y a pas marché. Vous savez pourquoi il respecte? Il respecte que le jour si il n'y a pas marché parce que lorsqu'on décrète que ce jour il n'y a pas marché, il y a quelqu'un, le système a mis sur pied les moyens de contrôle. Ils vont te dire que les génies vont sortir de la forêt pour manger. Donc vous ne devez pas aller au champ, vous ne devez pas aller au marché. Vous devez rester à la maison. Ces génies-là, ce sont des êtres humains qui transforment soit en lion, soit en serpent, soit en machin, en panthère. Ils sont dissimulés dans la forêt. Ils surveillent. Tu fais erreur.
d'enfreindre à cette loi, de ne pas aller au marché. Ils finissent avec toi. Un moment sur la terre. Ce n'est pas négociable. Ça ne se négocie pas. Tu as enfreint la loi. Un mètre sous la terre. À ce moment-là, les gens deviennent responsables. L'incivisme disparaît. Parce que quoi? La loi traditionnelle s'applique à tout le monde. Prends les mêmes populations. Là où on est en train de dire que ce jour-ci, il n'y a pas marché, il n'y a pas champ. Mais là, voilà. Dis, il n'y a pas marché, il n'y a pas Ben Sekine. On ne travaille pas aujourd'hui parce que la tradition, les Douala font le Ngondo. Ils vont te dire, dégage. Nous sommes en démocratie. Nous sommes en liberté. Je suis en train de vouloir vous montrer la différence qu'il y a. Comment on nous a vendu un système qui nous a généré tout ce que nous avons, l'incivisme, l'irresponsabilité, la barbarie. C'est le système qu'on nous a vendu qui est la, qui, c'est la conséquence du système qu'on nous a vendu qui génère tous les tas qu'on a dans la société. La corruption, la pédophilie, tout ce que vous connaissez comme inceste au Cameroun, c'est né du système qu'on nous a vendu. Mais les gens refusent de questionner le système qu'on nous a vendu. On refuse de le questionner. On trouve que non. Si tu parles à un aîné, que vraiment ce système, il faut l'interroger. Et que ce système, est-ce que ce système prône nos valeurs? Ils seront les premiers à te dire, toute cette élite qui vit au dépens du travail du petit peuple, vont te dire que maintenant c'est le meilleur système. Or, c'est ce système qui fait en sorte qu'un être humain peut prendre l'argent de tout le monde. 7, 8 milliards, il garde, il dit que c'est pour lui. C'est ce système qui fait en sorte que l'homme africain est devenu égoïste, égocentrique, individualiste. C'est le système-là qu'il nous a vendu. Il a transformé les mentalités africaines. C'est la réalité. Donc, on passe le temps à tergiverser sur les conséquences. On ne cherche pas à chercher la cause qui génère cette conséquence. On change de président. On va d'élection en élection. Démocratie. Élection en élection. Gens viennent. Ça va depuis de mal en pire. L'autre vient, ça va de mal en pire. La nouvelle génération, ça sera plus grave. Parce que la nouvelle génération est imprégnée du nouveau monde. Le monde qu'on vous vend. Le monde des réseaux sociaux. Où tout est rose. Je suis une femme dynamique. Une femme battante. Femme travailleuse. J'ai créé ma maison de production. J'ai créé mon salon de coiffure. Tu mets les ongles. Mais quand tu vas observer la voiture que tu roules la veille, ça coûte 200 millions. La maison où elle habite, ça coûte 100 millions. Tu te poses la question, donc c'est les ongles là. C'est ça qui donne ça. Le problème n'est pas là-bas. Ça là, ce sont les conséquences. La cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? Si tu veux faire différer les conséquences, traite la cause. Tu traites la cause, c'est fini. Monsieur Biya va arrêter les gens, il va mettre en prison. Il ne va pas résoudre le problème. Il ne va pas résoudre le problème. Il ne faut pas résoudre le problème.
Il va arrêter, il va les mettre en prison, ça va changer quoi? Il ne fait que agir sur les conséquences. Les causes sont lointaines. Il faut aller attaquer les causes. Il faut attaquer les causes. Il n'a plus l'âge d'attaquer les causes. C'est notre génération qui doit attaquer les causes. C'est notre génération qui doit attaquer les causes. Mais dès que tu pars au Cameroun, tu parles de ça, les gens te disent ah, tu es en dégueulasse. C'est mon tour de manger, tu veux me parler quoi? C'est ça. Dès qu'on te nomme. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages liés à sa fonction. L'intéressé aura lié aux avantages de toute nature liés à sa fonction. Terminé. C'est un système qu'on nous a vendu. Que je continue de vous dire. Moi, je fais ma part, comme tu dis, mon frère, tu ne mens pas. On va faire une autre part à notre niveau. Il ne peut pas me surpasser. Assimi Goïta est en train de faire sa part. C'est ainsi, va. Parce que quand nous nous parlons, les gens nous disent. Et puis quoi? Regardez. Un éducateur, des gens qui étaient comme des modèles en Afrique, des enseignants. Moi, je ne peux pas oublier les noms de la plupart de mes enseignants. Quand j'entrais à la CIL, le nom de ma maîtresse, c'était Madame Nyokon. Ensuite, j'avais un maître du commun 2 qui s'appelait Monsieur Atangana à l'école publique de Nkondongo. Ensuite, j'étais au cours moyen 1. Ma maîtresse, c'était Madame Atangana. Au cours élémentaire 2, j'ai oublié. Quand je suis entré en première année, les différents enseignants que je peux me rappeler, mes enseignants de matières professionnelles, M. Zouyou, M. Choi, Monsieur Kendek, Monsieur Mbiam, Monsieur Mbalu Blerio, Monsieur Ziki Chikangwa, mon professeur de dessin. Quand je suis entré au secondaire, quand je suis entré au second cycle, mon professeur de mathématiques à Issy, mon professeur de mécanique à Amougou. Ivaris, Amougou Ndong Ivaris, mon professeur de mécanique, Monsieur Zoyo, mon professeur de dessin aussi. Donc c'est les gens que je ne peux pas oublier. C'est l'enseignant. Quand je suis allé à l'université, Monsieur Pensi, mon professeur de management, non pas management, de maintenance industrielle, mon professeur de fabrication, Monsieur Mpako,
procès de résistance de matériaux et de dessin. Ah, le gars de voilà, si. J'ai oublié le nom du gars de voilà. Mais jamais c'est. Donc, mais pour ça, à l'université, j'ai seulement 3. L'enseignant que le système avec IC dit que c'est le modèle. Qu'est-ce que vous constatez? Le système est en train de détruire le regard qu'avait le petit citoyen africain de l'enseignant. Le système est en train de le détruire. Donc aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un, je veux être enseignant, il dit que, on sait quoi? La pauvreté va te tuer. Donc, du coup, le système avait érigé l'enseignant en modèle de la société. C'est pour ça que les gens disent, oh la Corée du Sud, oh la Corée du Sud, oh la Corée du Sud. La Corée du Sud a un modèle. Son modèle basé sur l'éducation. L'éducation que produit la société que vous avez. L'élite en Corée du Sud, c'est l'enseignant. Le plus haut gradé en matière de salaire, c'est l'enseignant. Mais n'importe qui ne devient pas enseignant en Corée du Sud. Il est le Dieu en Corée du Sud. Chez nous, on a démantelé l'enseignant. On l'a chosifié. Et on veut avoir une société qui respecte les valeurs. On nous a fabriqué des gens sortis de la cuisse de Jupiter qui viennent avec des programmes. Ils appellent ça éducation, ça a un nom là, éducation où les enfants n'échouent plus. Ils appellent ça éducation, éducation, ils ont un nom là. J'ai mon ami, il est maître d'école primaire. Il me dit, Abdel, quand je pars le matin, lève, quand le matin arrive, j'ai honte d'aller à l'école enseigner. Parce que lorsque j'évalue les enfants, on dit composition premier trimestre, l'inspecteur pédagogique du département passe dans tous les établissements. Monsieur, je veux mon pourcentage. Je ne veux pas d'échec. Donc si un enfant n'a pas la note, mais il vient quand même à l'école tous les jours, monsieur. Éducation promotionnelle, promotion collective. Merci, mon frère. Donc, si l'enfant vient à l'école tous les jours, il a droit à 10. Si l'enfant vient à l'école tous les jours, il a droit à 10. Donc, l'enfant compose à ce moment-là, sur 10. Donc, on lui donne les preuves de sur 20, il a déjà 10. Parce qu'on a vu qu'il vient à l'école tous les jours, il a déjà 10. Parce que l'inspecteur pédagogique veut avoir son pourcentage de réussite. Il dit que il faut que le ministère voit qu'il y a eu tel nombre de pourcentages de réussite. Il menace les enseignants. Toi qui refuses, il t'a fait t'embrousse. Que tu es fou. Tu veux qu'on m'enlève au travail. Voilà comment on a démantelé l'éducation. Un enfant va s'asseoir. Il te dit qu'il a le bac, il a le doctorat. Vois ce qu'il écrit. Oui. Mon fils est ici. Quand je me mets à l'enseigner, il me pose la question, papa, comment tu retiens encore ça? Je lui dis que je ne retiens pas, que j'ai fait la bonne école. J'ai fait la bonne école. Quand j'enseigne mon fils les maths ici, il vient avec le livre de l'école qu'on lui a donné. Il lui dit que c'est faux. La correction de ton livre là, c'est faux. Il commence à bavarder. Wow, 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 wow. Hey, maintenant, on a dit que le livre là, ça a été fabriqué. C'est que bon, qui va dire à ton professeur là, à l'école là, que l'exercice là est faux. Par l'école, il dit à son professeur que mon père a dit que l'exercice là, la réponse là n'est pas bonne. Pose la question, ça peut être, quelle est la méthode que ton père a utilisée? Il dit que voilà ce que mon père a fait. Voilà la réponse. Il vérifie, il dit que oui, il y a une erreur.
Quand tu me dis que papa, le professeur a dit qu'il y a une erreur. Que moi, il fait la bonne école. Donc, quand il dit quelque chose là, laisse que. Ça là, c'est l'école. C'est pas quelque chose, c'est la théorie. C'est la théorie. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a fait ça aussi là-bas au Cameroun. Sauf que la manière d'enseigner, c'est différent. Il dit à mon fils que oui, il y a une erreur. Ton père a raison, il y a une erreur dans le machin. Il y a une erreur. C'est comme ça qu'il met dans l'ordinateur, on modifie l'erreur. Les livres qu'on a imprimés, cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur. Il met dans l'ordinateur, il envoie là où on imprime le document, on modifie l'erreur. Donc mon père me dit que, papa, comment tu retiens encore ça? Il dit que, papa, j'ai fait l'école. Même moi, j'ai fait l'école. Nous, avant d'entrer en classe, on te dit tu récites tous les lundis. Tu dois réciter les résumés du week-end, vendredi passé. Tu ne récites pas la chicote de ça. Tu retiens par force. Tu es obligé de retenir. Chez vous, on a voté la loi. Quand tu tapes l'enfant, c'est l'inspecteur qui vient te dire que tu as tapé mon enfant. Pourquoi? On a dénaturé, on a donc démantelé le système. On a quoi aujourd'hui? On a les jeunes filles qui pensent que pour avoir l'argent, il faut aller à Dubaï. J'ai vu sur la toile notre jeune artiste ténor, le rappeur, le meilleur de sa génération, demander en mariage l'Ivoirienne. Je vois une jeune fille gabonaise qui vient écrire. Il n'a pas choisi le meilleur endroit. Il fallait aller à Dubaï. Donc voilà une jeune fille qui confond les rêves et la réalité. Un monsieur veut épouser sa femme. Toi, tu viens écrire que non, le cadre n'était pas bien pour le standing de la fille. La fille t'a dit qu'elle veut le standing. La fille t'a dit qu'elle veut le standing. Donc voilà la société qu'on nous a vendue. Ça que j'ai, mon fils est là tout le jour, je dis que, fils, j'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Mon frère, table de multiplication, on te fouette. C'est quand tu grandis que toi-même tu commences à regarder les raccourcis sur les tables de multiplication. Comment faire pour calculer rapidement? Parce qu'à l'école, on voit seulement que tu récites. C'est quand tu es en train de grandir que tu trouves les raccourcis pour faire les tables de multiplication. Mais à l'école, tu dis maintenant, récite. 2 × 1, 2, 2 × 2, 4. C'est comme ça. Et c'est ça qui nous a fabriqués. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Vous voyez toute une république. Toute une république. Qui basent leur maladie. Ils fondent le traitement qu'on peut leur Oui, allô? Je m'excuse d'avoir interrompu, mais il y a quelqu'un qui a posé une question là qui m'intéresse aussi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Dubaï? Qu'est-ce que nous avons cherché à Dubaï? Les Arabes sont fous d'un comportement raciste pour les gens qui font les photos. Attends, je te mets, tu parles et après je vais répondre. Tu poses la question aussi. Aussi qui a posé la même question. Je ne comprends pas ce qui se passe, l'engouement de Dubaï avec les Africains. Qu'est-ce que les gens vont chercher à Dubaï? Ils vont à Dubaï et ce sont des photos, des selfies à Dubaï. Ok? On me dit qu'il y a le shopping à Dubaï. Ok? Il n'y a qu'à Dubaï où le shopping.
Je comprends pas. Je veux te répondre. Qu'est-ce qui se passe avec Dubaï? Où aujourd'hui, pour exister, pour parler à une femme, il faut avoir été à Dubaï. Alors que les Arabes sont fondamentalement racistes. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des esclaves noirs qu'ils casquent. Est-ce que nous sommes tellement bêtes que nous allons dans les pays des gens comme ça? Abdel tout à l'heure a dit, quand il va aller au Cameroun pendant 6 mois, il va envoyer un de ses parents à la Mecque pour aller voir. Abdel, explique pourquoi tu as dit ça. Je vais expliquer. D'accord. Ta question, je vais répondre. Je vais continuer. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. La question que le monsieur a posée, je ne lis pas tous les commentaires. Je lis là, quand mon air avec le soleil qui est là. Bon. Moi, j'ai mis mon drapeau là derrière avec mon président. Je n'ai pas voulu changer de cadre. Je vais vous dire quelque chose. Dans la culture arabe, je commence par là. Une jeune fille, dans la culture africaine, une jeune fille doit aller en mariage vierge. C'est ça que les Arabes ont copié. Écoutez-moi. Hein. Dans la culture africaine, une jeune fille doit aller en mariage vierge. Bon. Un homme qui a atteint la puberté et qui il dort, ça se lève, il peut faire un autre homme lui foutre ça derrière juste parce que la prostitution des femmes là-bas elle est interdite, mais tu peux t'envoyer en l'air avec un gars sans problème. On préfère ça que de aller avec une fille. Ça, c'est un. Donc, ce système qu'on a vendu aux gens, c'est le temple. Je dis bien, c'est le temple de s'envoyer à l'air d'indepsisme. C'est le temple. Et maintenant, la prostitution maintenant là-bas est à un niveau. La prostitution reconnue par les femmes là. Maintenant, on maquille ça avec ce que vous voyez. Le bling bling. Donc, quand tu arrives dans ce monde, dans ce milieu, tu ne comprends pas ça. C'est que tu n'as rien compris. Les gars se rendent compte que l'Asie du Sud-Est, puisque ce que je suis en train de vous dire là, le temple de ça, c'était la Thaïlande. La Thaïlande. C'était le temple de tout ça. Là-bas, la libido, c'est à volonté. Maintenant, à Dubaï, on a juste sophistiqué, gratte-ciel, les plus riches du monde vont aller là-bas avec les yachts, s'envoyer en l'air comme ils veulent. Il n'y a rien d'autre là-bas. Maintenant, les fabricants de produits cosmétiques, téléphoniques, télévision, tout ça, industrie ménagère, vont aller là-bas avec la douane qui n'existe presque pas, que l'émir du Qatar avait instauré. Ça fait que il y a un brassage du monde, et comme Dubaï est
presque au milieu de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. C'est un point stratégique. Voilà la raison pour laquelle lui, il avait misé sur le tourisme mondial. Et tout le monde sait bien que le tourisme mondial entraîne deux choses, la libido et l'ondepsisme. Maintenant, lorsque j'ai dit que je vais envoyer mon cousin là à la Mecque, il va changer d'avis parce que je sais qu'il va vivre là-bas. Il va être surpris. C'est quoi? C'est que lorsque tu vas à la Mecque, ma mère est allée à la Mecque. Elle me dit, merde, il y a des gens qui vont seulement à la Mecque pour faire le commerce. Hein? Toi, tu penses que les gens vont là-bas seulement pour... Ouais, je vais te dire, bon, je vais arriver, non. Ils n'ont rien compris. Parce que ma mère me dit qu'il y a des gens qui partent seulement pour faire le commerce. Parce que ma mère m'explique que la cola, on casse la cola qu'on donne devant. Un quartier de cola qu'on donne devant. Tu en tends 3000. Et qui? Et s'assoit comme ça. Comme on avait, et on ne pouvait pas marcher. On avait pris la petite poussette qu'on met là. Elle s'assoit sur ça. Le gars qui est derrière, on avait pris ce paquet là pour elle. Elle s'assoit sur ça. Le gars pousse seulement. Oui. Bon, ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque tu pars là-bas, on appelle ça l'économie de la religion. On appelle ça l'économie de la religion. Tu peux compter le montant d'argent en termes de visa. Tu peux compter le montant d'argent en termes de restauration. Ça, on appelle ça l'économie de la religion. C'est l'économie de la religion. Lorsque mon gars va aller là-bas, il va changer de manière de regarder la religion. Il y a un qui allait là-bas, dont j'étais le nom. Il me dit, grand frère, j'ai étudié là-bas. Il n'y a pas plus raciste que ces gens. Il n'y a pas plus raciste que ces gens. Il me dit que tout ce que tu dis souvent, que je ne comprenais pas, maintenant que je comprends. Tu as une longueur d'avance sur nous, le frisson. Quand je restais souvent comme ça, je dormais, je te voyais. Mais le gars nous a expliqué ça. C'est l'économie de la religion. Derrière cette économie, il y a encore à l'intérieur une géopolitique. Parce que lorsque tu es en froid avec ce pays, ce pays va dire, monsieur, je vais augmenter les frais de visa pour tes citoyens qui veulent venir. Toi, tu auras la pression de tes citoyens qui disent que pourquoi tu ne veux pas qu'on aille à la Mecque. On ne va pas dire, on va pas te dire que. On ne va pas te dire que comme vous voyez là, on a augmenté les frais de visa parce que moi j'ai refusé de céder quelque chose ici. Il ne faut pas vous le dire. Le président prend ça sur lui, il l'avale. Voilà ça que un autre président africain est en train de vivre, le martyr. Rokman Kabore, le président du Burkina Faso. Il vit le martyr. Le peuple veut le tuer.
Or, en étant président, c'est ce pourquoi il avait été élu, pour démanteler la République du Burkina Faso. Donc, il applique son, il applique ce pourquoi il est là. Mais ce que le citoyen ne sait pas ça. Le citoyen pense que lui est venu pour réinstaurer la paix. Moi, je dis aux Africains de ne pas être naïfs. Moi, je ne suis pas naïf. J'exhorte tous les jours, je prie Dieu avec mon fils, fais gaffe. Tu es dans un monde de requins. Dans un monde de requins. Évite de te transformer en une proie. Il est préférable pour toi de rester, de jouer le rôle de prédateur. Tu préfères jouer le rôle de prédateur. Tu sens que partout où je passe ici, là, je dois savoir qu'il y a quelqu'un qui était ça, qui ne se laissait pas faire. J'ai une surface de réparation que tu entres là, tu me trouves. Dès que tu entres là, tu me trouves. Je ne te laisse pas. C'est un système qu'on nous a donné. Je le dis tous les jours. Mais on a mis dans la tête des Africains qu'il faut débattre sur les conséquences. Au lieu de débattre sur les causes. On est dedans, ça fait 70 ans. On débat sur les conséquences. En pensant résoudre les conséquences. Tu peux résoudre une conséquence. Tu résous, tu fais ma gauche, ça sort à droite. Tu fais ma droite, ça sort derrière. Tu fais mes derrière, ça sort en avant. Tu fais mon en avant, ça refait un autre trou à côté de là où tu avais fermé à droite. Ainsi de suite. Parce que ce n'est pas la cause. Moi, c'est ça que moi j'ai dit aux gens. Pour que le Cameroun ne tombe pas dans le piège du système. Parce que le système construit quelque chose et met un piège. Pour que le Cameroun évite le piège, c'est de choisir la langue dont le peuple est minoritaire et l'imposer à la parler. C'est ça que j'avais dit, les Douala sont minoritaires, il faut choisir le Douala. C'est éviter le piège. C'est pour ça que la France ne joue que sur ça. Sur les tribus. C'est ça que la France joue. Hier soir, je parlais avec le gars qui a loué la loge. La loge aux femmes d'Ongo, le ministre, est entrée. Et on a commencé à filmer où le gars disait les boulots. Les gars du sud boivent le Dom Pérignon. Je causais avec le gars qui a loué la loge. Il m'explique que non, c'est lui qui a loué la loge. Il était loin avec ses amis. Que le ministre Femme Ndongo était seulement de passage. Mais il est bien vrai que les questions que je pose, c'est quand même les questions qui fait réfléchir. Il a expliqué que la vidéo normalement était une longue vidéo. Bon. Lui, pour lui, c'était une manière de faire la pub de la loge. Il n'était pas dans le gouvernement, il est à l'étranger. Il est venu passer un séjour au Cameroun et il y a la canne, il a profité aussi avec les amis. Mais les questions que je pose, on a le droit de se poser cette question. Mais
Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'argent public. C'est lui qui a payé la loge. Ce qu'il m'a dit hier. Yeah. Moi, je lui ai posé une série de questions. Je lui ai dit, ok. Quel est donc le but de ces phrases? Les boules boivent le don Perignon. Les boules ont le droit de boire le don Perignon. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ils ont le droit. Et quand le ministre est là, c'est la partie là qu'on coupe. On met sur les réseaux sociaux. Le message subliminal que les gens envoient, c'est que c'est les boulous. Que les gens soient d'accord ou pas, le message qu'on veut faire passer, c'est que celui qui est en train de dire ça, lui, il est de l'Ouest. Ce qu'il me dit, il m'a dit, oui, c'est les questions ont droit d'être. C'est des questions qu'ils ont droit d'être. Ça fait réfléchir même en plus. Ce n'était pas que les gars du Sud. Il n'a pas que les amis du Sud. Je lui ai dit, tu comprends que les gens ont le droit de se de questionner. Parce que celui qui a dit n'est pas le gars du Sud. Donc, voyez-vous, mes chers frères et sœurs, lorsque nous allons souvent poser sur la table les vrais problèmes, regardez par exemple au Cameroun. Je vais vous dire que mon père s'appelait M. Mboussi Ibrahim Jean-Élysée. Je veux que vous écoutiez le nom de mon père. Mon père s'appelait M. Mboussi Ibrahim Jean-Élysée. Vous ne remarquez pas qu'il a un nom chrétien et il a un nom musulman. Mboussi Ibrahim Jean-Élysée. Vous devez voir là quelle conception le gars avait. Mboussi Ibrahim Jean-Élysée. Quand il arrive dans un milieu où c'est les chrétiens, il s'appelle Jean-Élysée. Quand il arrive dans un milieu où c'est les musulmans qui dominent, il m'appelle Ibrahim. Ça veut dire que, au départ, il était chrétien. Quand l'islam quand le chef est devenu musulman, les populations se sont islamisées. Mais ça n'a pas empêché qu'ils gardent les deux noms. Nous, on amène les neveux qui s'appellent Mboussi Ibrahim. Il a le nom du père, Mboussi Ibrahim Jean-Élysée. Donc, vous voyez un peu. Quand cela ne tienne, vous devez bien comprendre le système là. C'est un système qu'on nous a donné. C'est un système qu'on nous a donné. Et lorsque nous, on a compris ça, que merde, comment s'en sortir avec ce système? Puisque l'élite ne veut rien entendre. Pour l'élite, c'est le meilleur système. Tu demandes à l'élite de changer, mais les gars vont te dire que bah, attends, tu es malade. Le système leur va. Je vais vous montrer une voiture d'un fonctionnaire. Comme la dame là est décédée, ça me fait mal de monter ça, je ne peux pas monter ça. Mais je peux quand même faire la capture d'écran de la personne, de la voiture. Donc, il faut que vous compreniez. Quand nous on parle de ces choses ici là, il faut que les gens comprennent. Lorsque je dis aux gens tous les jours que le problème des pays africains, c'est de neutraliser les fonctionnaires. C'est le problème des pays africains. Lorsqu'on va réussir à neutraliser les fonctionnaires qui doivent rester à leur place, vous avez vu ce qui fait le buzz sur la toile aujourd'hui? Un substitut du procureur à Bétois, il se fait tabasser par un maréchal de logis ou bien un gardien de la paix à Bétois.
il y avait un contrôle mix à Bomis, sur la route de Beto à Yaoundé. Un contrôle mix gendarme policier. Apparemment, on a interpellé la voiture où se trouvait un substitut du procureur. Bon, d'après ce que les gens disent, ils voulaient qu'on libère la voiture parce que les policiers, le contrôle voulait, et ils voulaient contrôler parce que le Cameroun, il y a l'insécurité. Donc, eux, ils disent qu'il faut contrôler. Moi, j'ai dit, les policiers ont le droit de contrôler. Le gars, le substitut du procureur, devait juste laisser les policiers faire leur travail. La loi, c'est la loi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que lorsque on commence à tordre le cou à la loi, ça donne les choses. Actuellement, on va débattre sur l'acte posé par le gardien de la paix, qui n'est qu'une conséquence. Mais la cause, c'est quoi? La cause, c'est que le substitut du procureur n'a pas voulu respecter la loi. Maintenant, on va faire des débats télévisés en disant qu'on a tapé un substitut du procureur, ils n'ont pas le droit, Oh, ça là, c'est une conséquence. En amont, il y a quelque chose qui s'est passé. S'il laissait ces gars contrôler la voiture, identifier les gens qui sont dans la voiture, ils allaient partir, clair. Maintenant, si la voiture avait un problème de papier, il a nous dit, monsieur, je suis le substitut du procureur, vraiment, vous faites votre travail, et vraiment, excusez-moi, ma voiture n'est pas en règle pour le fait que ma voiture n'est pas en règle, vraiment, excusez-moi, quand je vais repartir, je vais revenir sur Bétois, je vais tout faire pour mettre ma voiture en règle. À ce moment-là, les policiers allaient les laisser passer. Et tu ne peux pas dire aux policiers de ne pas identifier les gens qui sont dans la voiture. Parce que le coup d'état scientifique qui rôde à Yaoundé, les policiers, eux, peuvent aller à un contrôle avec les noms des gens. Lors de leur contrôle, ils ont été briefés. Nous voulons, vous devez contrôler tel nom. Donc quand les policiers vont faire le contrôle, tu ne peux pas dire aux policiers vraiment, je suis pressé. Non, gars, assois-toi, tu attends. C'est lorsque tu te rends compte que la voiture a une infraction des pièces, à ce moment-là, tu peux dire aux gens, vraiment, excusez le chauffeur. Pour moi, je prends la responsabilité. Quand il va revenir, je vais lui demander de mettre sa voiture en règle. Mais mon frère, tu ne peux pas demander à cet instant où l'insécurité règne partout. La frontière avec la Centrafrique. Les ambassadeurs sont partout sur le territoire. Vous demandez qu'on ne doit pas contrôler comment. Maintenant, les gens sont en train de tirer sur le gardien de la paix. Que wow, pourquoi? Mais parce que lorsque ça arrive, ça, l'acte posé là, ce sont que les conséquences. Là, la cause, c'est la cause qu'il faut traiter. La cause, c'est le non-respect de la loi. Le non-respect de la loi entraîne les conséquences. Donc, tergiverser sur les conséquences, vous n'allez pas résoudre le problème. C'est ça le problème. On dit non, on ne doit pas taper c'est l'élite. L'élite, que tu sois élite ou pas, la loi, c'est la loi. C'est pour tout le monde. Je n'autorise pas un policier de taper sur un substitut du procureur. Mais le substitut du procureur qui représente la loi ne doit pas faire exemption à la loi parce qu'il est substitut du procureur. Mon gars, ça ne marche pas. Le Cameroun est en insécurité, donc il faut contrôler tout le monde. Et quand on fait le recoupement d'informations,
On se rend compte que c'est lui le substitut du procureur. D'après une personne procurée sur le terrain, c'est lui qui a commencé à bousculer la femme gendarme. C'est ça qui énerve donc le policier. Il dit, mais c'est même quoi cette affaire? Donc parce qu'il est substitut du procureur, il va se comporter comme ça. Donc quand je viens, il arrête, il est très mal. Tout ça là, ce sont les conséquences. La cause à traiter, c'est en amont. Il faut respecter la loi. Et un gars qui est un camp qui représente la loi ne peut pas aller en marge de la loi. Moi, je suis désolé de le dire. On va brimer le policier. Oui, on va le brimer parce qu'il n'a pas le droit de bousculer le substitut du procureur. Mais c'est la loi qu'il faut respecter. C'est ça. Les gens ont démantelé le pays. On a conçu un pays de passe-droit. Je suis substitut du procureur. Je ne dois pas avoir ma voiture, je ne dois pas être en règle. C'est ça. On ne doit pas contrôler ma voiture, on ne doit pas identifier les gens. Tu n'as pas vu qu'on a transporté Tanganakuda dans la voiture, on lui a fait traverser la frontière quand Paul Biya a pris son téléphone. Il a appelé les gens de la sécurité au Cameroun. Il a dit, si je mets mes pieds au Cameroun, quand Tanganakuna n'est pas là, vous allez me sentir. C'est les mêmes gars qui ont transporté à Tanganakuna, mais là, les autres Nigeria, qui ont dit que papa, pardon, prends l'avion, reviens, Sam. Il a repris l'avion, il est venu au Cameroun. Vol spécial. C'est eux qui l'ont accompagné à la frontière pour partir. Quand Paul Biya a pris son téléphone, il a dit, si je reviens au Cameroun, là, quand Tanganakuna n'est pas là, vous allez me connaître. Et comme tout le monde sait qu'il n'a jamais parlé comme ça, là, ce père-là qui ne parle jamais, quand il a parlé comme ça, les gars ont compris que non, ici, là, Tara, viens. Non, c'est mauvais, viens. C'est comme ça. Donc, les gars doivent être identifiés, quelle que soit la voiture. Que soit la voiture, tu arrives à un contrôle d'art. On te contrôle, on identifie les gens. Pressé ou pas pressé, gars, tu attends. On identifie les gens. Une fois, moi, je suis le genre de personne que si la loi a dit qu'il faut faire ça, gars, moi, je me prie. Si je suis en faute, tout ce que je peux faire, c'est supplier. Si quelqu'un. Un jour, ils sont en train de voyager. On arrive au contrôle de. C'est un bang. Le contrôle de. C'est Noumaïous, hein? C'est Noumaïous. Peut-être ça doit être Noumaïous, quelque chose comme ça là. On est dans la voiture. Un gars, on demande la carte d'identité. Le gars n'a pas la carte d'identité. Il n'a pas la carte d'identité, mais que sur lui, il a quand même pris son passeport. Sa carte d'identité, il ne sait pas là où c'est. Mais comme il était dans le cas du genre de voyage, mais la manière qu'il s'adressait aux gendarmes qui contrôlaient, avec du mépris, vous comprenez? Le gendarme finit d'abord de contrôler. Le gendarme revient donc chez lui. Le gendarme lui dit, mon frère, ton passeport est un titre de voyage. Dans ce titre de voyage, il y a une page d'identification d'un individu. Si tu me parlais avec courtoisie, je pouvais comprendre ton problème. Mais tu affiches un comportement méprisant à ma personne donc, parce que je te demande la carte d'identité. C'est ma faute si ta carte d'identité est perdue. Et que c'est ma faute. Le gars lui-même a compris que le gendarme, il dit c'est comme ça que tu vas maintenant faire. Je bloque tout ce qui
sont là, ils sont des responsables. Ils sont levés d'aucun. C'est le premier but de cette agence. J'ai des gens qui sont là, qui veulent aller faire quelque chose et on est parti sur le doigt là. Ne t'en pas ton comportement, je vais les bloquer ici. On va dire que les gendarmes sont méchants. Tu vois? Regarde comment tu me parles. On avait un problème, un autre problème. On dit, le gars, en se levant de son siège, il se met à genoux, dit, grand frère, excusez-moi. Le gendarme lui dit, lève-toi, assois-toi. Il faut partir. Il ne faut pas dire que c'est à cause de moi que j'ai trimballé tous ces gens ici. C'est 70 personnes ici là. Il ne faut pas dire que c'est à cause de moi. Revois ton comportement. Le gars lui-même dans le bus a dit, je demande les excuses à tous les passagers. Parce que je suis sorti de ma maison avec la tension. Je viens verser ça sur le gendarme alors qu'il ne m'a rien fait. Je suis sorti de ma maison avec. Je me querellais avec ma femme. Tout ça là, c'est resté à moi là. Je viens déverser ça sur un gendarme qui ne m'a rien fait. Vous voyez? Moi, je continue de dire le système qu'on nous a donné, c'est ça qui nous produit. Tout ce que vous voyez là. Donc, il faut questionner le système. Mon frère, si tu veux bien voyager, évite d'avoir des problèmes en sortant de ta maison avec ta femme. Je te jure, mon... attends. Moi, je donne toujours les bons conseils aux hommes. Si tu veux voyager, évite de voyager avec les problèmes. Sors de la maison avec les problèmes avec ta femme. Oh, pardon. Voilà. Les femmes. Ça que je vous dis souvent. Je vois les gens qui sont souvent là, les jeunes mariés là. Les jeunes mariés. Les jeunes, je dis marié toujours aux jeunes mariés là, les jeunes mariés. Si vous les hommes, vous pensez, c'est une parenthèse, parce que c'est un gars qui m'a dit ça là, un gars qui vient d'écrire ça là. Avec le fait que le monsieur nous avait dit dans le bus là que sa femme, il a eu des avec sa femme. Quand nous sommes sortis du bus, je lui ai posé la question, frère, viens un peu. Tu as combien de semaines sans faire l'amour avec ta femme? Il me dit 3 semaines. Je lui dis que, et tu crois que quoi? C'est le bouquet de fleurs. Tu voulais voyager. Et sourire avec toi. Tu as 3 semaines sans faire l'amour. Tu t'attends à quoi? C'est d'autres problèmes que j'ai d'autres problèmes qui me chauffent la tête. Est-ce que, que ça va fuir? Ok. Retiens alors ça. N'aie jamais les problèmes avec ta femme, ça dépasse 3 jours. C'est un conseil que je te donne, hein, que je suis ton aîné. Parce que vous vous mariez sans éducation. Le mariage a des règles, de lois et règlements. Si tu te maries, tu as un différend avec ta femme, ça ne doit pas faire 3 jours. Le premier jour, tu es en colère. Le deuxième jour, ta colère baisse. Le troisième jour, quand vous partez vous coucher, chérie, tu sais, il arrive parfois qu'on se fâche. Mais vraiment, il faut que tu laisses. Tu sais que l'amour, c'est comme ça. J'étais un peu sur les nerfs. Elle va laisser. Il n'y a rien qui est compréhensif comme la femme. Moi, que tu vois là, ma femme n'aime plus que je demande pardon. Mais tu dis comme ça, parce que moi je suis champion de pardon. Je gaffe quand j'arrive, je demande pardon. Je viens avoir le cadeau. Dès qu'elle me voit avoir le cadeau, elle sait bien que, ah, il a fait quelque chose. Mais c'est comme ça que moi je suis. Résultat de course, quand elle dit que, non, toi là, tes pardons là, c'est trop. Non, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Mon frère, moi je suis champion de pardon. Je demande pardon, mon frère. Parfois, je demande pardon à Jeune, je dis que, maman. Parce que quand je vois souvent, il s'appelle le petit comédien, c'est là.
Moussi le charismatique, j'ai je m'enroule par terre. Ma femme m'envoie la vidéo de que, regarde, te voilà, Moussi charismatique. Il est comme s'il doit être dans la chambre. Je me mets à genoux. Et, maman, excuse-moi, je ne vais plus. Je ne vais plus jamais commencer. Mon frère, tu parce que tu boules les hommes là où tu as des problèmes avec ta femme, tu fais trois, une semaine, tu boules ta femme. Deux semaines, tu boules ta femme. Trois, même tu sais que j'ai des problèmes. La femme, quand la libido, elle a besoin de la libido, mon frère, elle va mettre tout de côté. Elle va mettre tout de côté. Elle va dire que mon cher ami, comme les jeunes de maintenant ne connaissent plus ça. Ils ne connaissent pas. Savoir que ma femme s'énerve parce que ça fait trois semaines, je n'ai pas touché. Ils ne connaissent pas. Ils cherchent l'argent. Cherchez l'argent. Et je te rappelle que quand elle te boude, même si elle est contente parce qu'elle te boude, il y en a d'autres. Quand elle trouve que son gars ne s'intéresse plus à elle, elle se tape un petit gars là-dehors. Hein. Dès que toi tu pars au travail, elle appelle son petit gars, il fait le travail, elle prépare la nourriture, le petit gars la mange. Le petit gars part. Toi tu rentres le soir, non, mon frère, il s'est mal changé. Moi, j'étais champion au Cameroun de bêtises. Et si la bonne femme qui peut encore me supporter, comme ma femme là, ça n'existe pas. Mon frère. Non. Il n'y a pas une femme qui peut me supporter comme ma femme là. Elle n'a pas. N'a pas. Mon frère, j'ai parti comme ça dehors, je rentre avec le caleçon renversé. La culotte que j'ai portée avec le caleçon, j'ai porté le caleçon renversé, la culotte renversée, parce que je me suis réveillé en retard. Je sors, je m'habille en courant, je démarre la voiture, je fuis, il faut que j'arrive à la maison. Je te vois, il est à 4h du matin. Waka! Il démarre la voiture. J'arrive à la maison. Quand j'arrive à la maison, je regarde la voiture. La maison est calme, j'ouvre la porte doucement. Crac, crac, crac. J'ouvre, elle dort, elle fait comme si elle dort. J'entends comment elle ronfle. Elle dort. J'enlève le haut, j'accroche. J'enlève le pantalon. Dès que j'enlève le pantalon, elle sent que j'enlève le pantalon. J'ai dit à enlever le pantalon. C'est que ça sur le pantalon que j'ai enlevé là. Elle envoie la main, elle allume l'ampoule. regarde ta culotte. J'ai dit, il y a quoi sur ma culotte? Regarde, c'est là où je regarde la culotte. C'est à l'envers. Je dis que bon, enlève. Enlève le pantalon. Bon, regarde le caleçon. Bon. Vraiment, va d'abord te laver. Parce que avant que je commence à bavarder, va d'abord te laver. Tu n'as quand même plus sur mon lit. Je sors là. Il y a une femme qui peut me supporter comme ma femme là. Il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Et toi, tu dis que j'ai une femme comme ça là. Je viens commencer à dire que, ah, dégage, tu es même quoi mon frère. Et que vous, les hommes de maintenant, si vous êtes bizarres, tu as quelque chose à la maison qui te supporte, là, le faussant. Toi, tu blagues. Vous êtes fou. Il faut savoir les choses que tu peux faire à ta femme. Il y a des choses que quand tu... Moi, là, mon frère, il dit qu'il n'y a plus une femme qui peut me supporter comme ma femme, là. Il y en a pas. Ça n'existe pas. Ma femme, là, elle me supporte trop. Elle m'a trop supporté. Mon frère. Vous blaguez seulement. Hein. Et tu crois que je dois la chasser? Oh. À ce moment-là, j'ai deux semaines. Quand j'ai déjà gaffé comme ça, là, j'ai deux semaines. Dès que le travail finit, 17h30, je sors du travail, 17h10. Après, tu m'entends. On a. Le soir, parce qu'on avait souvent une cotisation au travail. Quand quelqu'un partait en congé, on partait à la rue de la joie. On achetait le poisson braisé, on achetait le poisson, on le met là, on aligne, on voit les gars de la section. C'est dans la congé, on aligne les poissons. Tu peux aller au djengé sans les petites miningas à côté, ça, tu vas faire comment? Ah, pardon, mon frère, laissez.
Moi, quand moi, je dis ça aux gens que mon frère, quand tu as une femme, il faut savoir que les femmes, là, elles nous supportent trop. Elles nous supportent le faux sort. Et tu, quand tu arrives ici, tu commences à monter, tu commences à monter sur les dix, dis que vraiment, de la femme là, fait que, il y a un homme pour supporter, les femmes nous supportent. Les femmes nous supportent le faux sort, c'est moi. Moi, je dis ça aux gens.